salut à tous, c'est un détail, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Flotsam. Alors c'est un jeu que j'ai déjà présenté par le passé, mais il a eu beaucoup de mises à jour. Et je suis très content, je trouve que le jeu est vraiment sympa, donc on va pouvoir lancer une nouvelle partie ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simple, on va jouer... Comment on va appeler ça? On joue le rôle d'un bateau, d'accord, qui va devoir essayer de survivre et créer une ville sur l'eau à base de détritus. Donc en gros, on va dépolluer la mer, récupérer des morceaux de bois, récupérer des morceaux de plastique, récupérer en fait tout ce qu'on va pouvoir récupérer, tout ce que la mer rejette, on va tout récupérer pour essayer de construire une ville avec ça. Donc c'est sympa, on va y aller, je vais demander un monde procédural et vous allez voir que le jeu a vraiment changé. Je pense que pour ceux qui aiment le jeu, je pense que vous n'allez pas le reconnaître de suite. Donc là, on va considérer que les gars que j'ai, moi, ça me va. On va confirmer le crew. Mon avis, je vais l'appeler 1D Day B. Voilà, j'aurais bien appelé 1DB, mais j'avais déjà pris. Donc voilà, là, on y est. Donc voilà comment ça se passe. Je vais mettre sur pause. Donc on a notre bateau qui est dans l'eau, d'accord. Et malheureusement, on a un bateau vide. Il se passe rien. Donc on a une map également de monde qu'on peut faire. On peut faire bouger notre bateau au fur et à mesure aussi pour récupérer des détritus. Mais là, en l'occurrence, on va d'abord essayer de construire et surtout récupérer des ressources. Donc, je vais demander à mes potes, je vais demander à mes trois nageurs de venir récupérer tout le plastique qu'ils vont pouvoir récupérer. Et je lance le jeu. Et là, ils vont y aller, vous allez voir. Hop, et là, ils vont récupérer le maximum de ressources. Donc, on va accélérer la vitesse, on n'a pas besoin d'attendre non plus. Là, vous voyez, ils nagent, ils récupèrent le maximum de ressources et ils vont tout stocker dans le bateau. Moi, j'ai un moyen de construire. Donc, par exemple, j'essaie d'augmenter un peu la vitesse. Je vais leur dire de récupérer le plastique qu'ils ont pour essayer de faire une espèce de mini plateforme sur laquelle ils vont pouvoir justement circuler pour accélérer un peu, encore une fois, leur recherche. Voilà. Vous y allez. Et en même temps, à partir de là, ça nous permettra de servir de ça comme un axe, justement, pour tout ce qui est construction. Donc, c'est pas idiot de le faire. Voilà, construisez, faites le maximum, les gars. En attendant, hop, on continue, on enchaîne. Donc moi j'aime bien commencer par faire un long bras comme ça, je trouve ça plus cool. Les gens vont pouvoir, on va mettre également une réserve qu'on pourra mettre un peu plus tard certainement, j'ai pas envie de la mettre tout de suite. Donc là on a rien d'autre dans le coin, clairement on a un dos donc on va être obligé de se déplacer. Donc je vais me déplacer plus par là, allons-y, hop. Donc on va essayer de récupérer le maximum de bois et de plastique qui va être une priorité surtout pour débuter. L'eau on va en avoir mais pour l'instant ça va, en vrai c'est pas trop dramatique. Pareil, on va essayer de faire un espèce de bras qui va partir à l'opposé. Voilà. Pour essayer de faciliter encore une fois les recherches. En attendant toi, tu me récupères le maximum de bois. Et là, surtout le maximum de plastique. Au début, le plastique va être hyper important aussi. Donc je vais envoyer tout le monde sur là-bas, là où vous pouvez y aller. Donc récupère le maximum. Le bois, malheureusement, on va pas pouvoir le travailler tout de suite. Il nous faudrait du bois sec. Là, on a du bois mouillé. Donc le bois mouillé va pas être très utile pour l'instant. Il faudrait déjà du bois sec et des planches, donc il faudrait peut-être que je fasse un atelier de recyclage. On va le faire probablement ici. Donc là, je construis mon premier bâtiment. Il va transformer les débris classiques de déchets plastiques en plastique flottant. Voilà, ça c'est quand même plutôt pratique. Putain, il faudra quoi? Du bois sec, ouais, pour l'instant j'ai pas de bois sec. Écoute, fais de ton mieux, essaie de récupérer le maximum de ressources. Donc là, au niveau de la map, hein, on peut voir vraiment l'intérêt. C'est vraiment de vider la map de toutes les ressources. Ensuite, de ce côté-ci, on a toutes nos ressources qu'on a là, le nombre d'eau et de bouffe qu'on a. Vous allez voir que l'eau, la nourriture et la bouffe va être vraiment... l'eau plutôt la nourriture va être quelque chose d'assez difficile à obtenir. On va avancer encore un petit peu. Hop. Il faudrait plus que je m'oriente justement vers du bois sec. Donc par là-bas, par exemple. Là, on aurait vraiment du bois sec. Ce serait peut-être une bonne chose. Ok, récupérez-moi déjà ça. Les algues vont servir à pas mal de bonnes choses, donc j'envoie le maximum de monde. Pour l'instant, on essaie vraiment d'aller petite zone par petite zone. Il va également falloir que je construise des réserves. Donc là, j'ai demandé à quelqu'un, hop, de transformer le maximum de plastique en plastique flottant. Ça va d'une vider un peu ma réserve, en même temps, ça me permettra de crafter des bâtiments aussi, de construire d'autres bâtiments. Et ça, ça va être quand même plutôt cool. Parfait, voilà, fais ton mieux. On va sur la map. On va essayer de choper, peut-être. Donc, il y a du bois flottant ici, c'est cool. Ah ouais, on n'a pas de bois de fou non plus. Hein. On n'a que du bois mouillé. Ça m'embête un peu le bois mouillé pour l'instant, mais bon, ok. On va construire également une réserve. Je vais envoyer du monde là-bas. Hop. Allez-y, les gars. Il faudrait du bois en priorité. D'ailleurs, ça donne quoi? Ouais, ça donne que c'est la merde, là. Pour le coup, c'est la merde. Ah!
On va pouvoir faire un séchoir. Ça, vous allez voir, c'est cool. Le séchoir va être vraiment cool. Il va permettre justement de faire sécher du bois. Donc le bois qu'on a, qui est mouillé pour l'instant, on va pouvoir le faire sécher assez rapidement. Et vous allez voir que c'est vraiment cool. Hop, on agrandit à mort. Et allez-y, les gars. Par contre, t'as quand même pas mal de chemin à faire, là. Donc je m'inquiète un peu. Donc lui, vous voyez, hein, il fait ce qu'il peut. Vraiment, il fait de son mieux. Je vais continuer à en mettre pas mal au début. On pourra améliorer les bâtiments au fur et à mesure. Hein. Donc là, il construit. Hein. Le gars construit, il y a du taf. On a qui récupèrent du plastique, d'autres qui construisent. Là, le bois, on va essayer de transformer justement en bois sec qui me permettra de construire des bâtiments. Ça, vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc là, on est en train de construire les bâtiments tranquilles. Lui, il va nous faire du bois. Alors, tu vas m'en faire à l'infini du plastique flottant. Pour l'instant, on a juste grave besoin. Donc, tu vas m'en faire à l'infini. Ça, c'est fait. Et puis, on a récupéré à droite. Ce que je voudrais, c'est faire des lits assez rapidement. Parce que sinon, ils vont dormir. Bah voilà, la nuit tombe. Ils vont dormir là comme ils vont pouvoir. Mais ils vont pas être de bonne humeur. Ils vont perdre des statistiques parce qu'ils se sont mal reposés. Et je dirais que la priorité, pour le coup, va être justement de leur faire des lits assez sympas. Parce que là, ça va être compliqué. Bon, après, on est qu'au premier jour. Et regardez tout ce qu'on a fait pour un premier jour. C'est pas dégueu. C'est pas mauvais. L'énergie du bâtiment. Alors, le jeu est vraiment passé par plein de choses différentes. Là, maintenant, c'est d'électricité. On a une petite manivelle derrière qu'on va pouvoir tourner pour générer l'électricité. Donc, la manivelle va se trouver... Elle est pas là. Donc, je pense qu'il faut... Ah, si, la manivelle est juste là. Mais avant, on a eu de l'essence. On a eu du kérosène. On a eu pas mal de systèmes différents. Et finalement, l'électricité est celui que les devs, pour l'instant, ont l'air de vouloir garder. Et je trouve qu'il est cool aussi. Je respecte leur choix et je le comprends même. Ok, tu peux nous faire encore un autre séchoir ou pas? Parce qu'on va vraiment avoir besoin de bois en priorité là. Nous, un autre séchoir. Ouais, l'eau aussi va être une priorité également. Il nous faudrait quoi pour de l'eau? Des planches. Et pour faire des planches, il me faudrait d'abord ça pour avoir plus de bois. Ok, bon bah il nous faudrait plus de plastique, plus de bois. Donc on va le laisser tel quel. Le gars récupère le maximum de bois mouillé. On va en avoir besoin. Ah, par contre, ils ont level up. Donc toi, t'adores la construction et le crafting. On va t'améliorer en construction. Toi aussi, tu t'es amélioré ou pas? Est-ce que tu t'es amélioré? Non, changer de nom, non. Pas encore. Par contre, t'es en train de level up. Donc ça, c'est cool. Est-ce que nos personnages, effectivement, ont une progression? Le liquide, la pêche, la cuisine. Le liquide, c'est bon. Parfait, ça fait plaisir de fou. Là, gère comme tu peux. Plastique flottant, tu vas m'en faire plein. Par contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire à l'infini? Parce que j'en ai déjà 7. Bon, écoute, fais de ton mieux, mais... on va enfin avoir notre atelier de bois. Je vais mettre juste ici en face. Là, comme ça, on sera fait. Donc là, l'atelier de bois va transformer du bois sec, justement, en planche. Qui nous permettra de construire d'autres bâtiments, et ainsi de suite. Donc toi, la construction à mort. Toi, c'est bon. Ok, nice. On améliore. Le jeu est cool, franchement. Il est très, très plaisant. Je trouve qu'il est vraiment... c'est vraiment un jeu qui me plaît, moi. Du bois, on va en avoir besoin à mort, mais du plastique aussi. Allons là-bas, voir ce qu'il y a récupéré dans les zones. On a également des zones... Ouais, voilà, regardez, là, par exemple, dans la zone, on a déjà de la nourriture. On va récupérer tout ça, en fait. Hein. Allez-y, les gars, récupérez-moi le maximum. Après, vous allez me récupérer du bois aussi. Et après, vous allez me récupérer... Ouh, du bois déjà sec et du bois de chauffage. Ok, bah là, les gars, on va avoir du boulot. Hein. On va vraiment avoir du boulot, donc je compte sur vous. Pareil, on va pouvoir également trouver des îles sur lesquelles il y aura justement des anciens... On va appeler ça des anciens survivants. Donc on pourra également récupérer plus de monde. Parce que j'avoue que là avec 3 gars on va avoir du taf hein. Donc là ils vont vider l'île. Alors si je veux je peux dire par exemple tiens tu ne récupères pas ça. Voilà. Bon là j'ai cliqué trop tard, un peu trop tard. Mais je peux lui dire de ne pas le récupérer. Je lui ai demandé de tout récupérer pour l'instant parce qu'on a besoin de tout. Mais il est clair que je peux également prioriser certaines ressources. La baleine est juste là pour le décor, elle ne fait pas de dégâts, elle ne fait pas mal. J'avoue qu'elle m'inquiétait un peu, surtout avec son œil bizarre là. Je crois qu'elle avait un œil qui me regardait chelou, j'étais pas serein. Mais non, finalement ça va. On va demander un peu de bois aussi en priorité. Faites de votre mieux les gars, on récupère le maximum. On a besoin de maximum de ressources. Donc là on a déjà une île de vidée, ça c'est cool. Par contre, on a 12 d'eau et 9 de nourriture, donc pour l'instant, ça va. On arrive à se maintenir à certains niveaux. Ouais, les 3 sont là. On a 2 là. Où est le 3e? Bon, le 3e fait ce qu'il peut, je crois. Voilà. On va charger aussi le bois au maximum. Voilà, il me faut plein de planches, surtout pour débuter. Et après, on va être tranquille. Toi, là-bas, t'es parti en récupérer plein, donc on te fait confiance aussi, tu gères. Et là, je voudrais faire des lits le plus rapidement possible. Il va me falloir du bois, mais le bois est en cours de construction, donc ça va.
Les animations sont super sympas, regardez. Il tire sur une corde qui coupe du bois en boucle. Et ça génère du bois au fur et à mesure. Et ça, je trouve ça hyper cool. Les animations sont vraiment sympas. Le jeu est vraiment soigné par les développeurs. Et ça fait plaisir. Donc, je vais mettre des lits de l'autre côté, par contre. On va mettre un lit là. On va déjà en faire un pour les trois. On a du boulot encore. Allez-y, les gars, je compte sur vous. Bon, ils sont pas feignants. Honnêtement, les mecs bossent comme des fous. Par contre, t'as un ponton là, tu pourrais venir par là, mais bon. Il y a un sens dans les îles. Hein. Ok, donc ça c'est cool. Pareil pour toi. Pareil, la recherche, faudrait qu'on la fasse vite aussi. C'est sympa. Finis au moins ton lit avant de dormir, mec. Finis ton lit, comme ça tu pourras te reposer correctement. Finis ton lit avant de dormir, je crois qu'il va le faire. Ah oui, d'accord. Il a fini son lit, mais il dort à côté. Je finis mon lit, mais je dors à côté, frérot. J'ai pas le choix, voilà, je me suis endormi. On va créer également une réserve aussi. J'aime bien créer des réserves un peu au bout. L'idée, c'est que justement, ils peuvent stocker les ressources à peu près au milieu. Même au bout, j'aime bien aussi faire au bout. Comme ça, quand ils sont vraiment là, par exemple, ils viennent ici, ils balancent les ressources là-dedans, ils repartent, c'est beaucoup plus rapide. Bon, plus tard également, on aura des bateaux. Donc, au lieu de récupérer des ressources 5 par 5, ils en récupéreront 10 par 10 ou 15 par 15, je sais plus. Je crois que c'est 10 par 10, si je me trompe pas. Donc, il y aura du taf. Hein. Il y aura du taf. Allez-y les gars, faites-moi le maximum de planches, on en a besoin là. Donc je peux demander à ce qu'ils produisent des planches à l'infini par exemple, mais là pour le coup ce serait pas forcément intéressant je suppose. Parce que j'ai quand même besoin de bois aussi à côté, pour plein de choses. Est-ce que ça vaut le coup qu'on la vide? Il reste un truc en bois. Ouais, bah écoute, vas-y quand même, je veux vraiment moi me faire un repère. Je veux vraiment vider chaque île. Parce que sur la map on voit les îles qui sont vidées, voyez, ils ont un petit drapeau. Comme ça, là, a été vidé, et là, on est en train de vider l'autre. Comme ça, moi, si jamais je repasse par là, pour X raison, je sais que l'île est déjà vidée, et je me dis pas qu'il y a des ressources dessus. Je peux me faire avoir, donc autant jouer intelligemment dans le jeu. Dès le début. Pareil, j'ai eu un regret, si j'avais fait ce jeu-là, il y a déjà un bout de temps, mais il n'avait pas marché. Des gens vraiment s'en foutaient, littéralement. Donc si jamais là, jeu vous plaît, n'hésitez pas à me faire signe, parce que moi, c'est vraiment une revanche que je prendrais. Je pense que je ferai un let's play quasiment complet sur ce que le jeu a présenté. Et vraiment, c'est un regret que j'ai. Donc, si jamais vous voulez me rendre ce service, dites-moi s'il vous plaît, vous voulez voir la suite. En vrai, je kiffe bien ce jeu, donc bon. Là, on va essayer de mettre encore un peu plus de ressources. Voilà. Enfin, ce maximum. Donc là, c'est cool. On pourrait également refaire partir un bras de l'autre côté, mais là, il nous manque à mort. On a plein de bois, mais il nous manque du plastique à mort, en fait, finalement. C'est ce que je me dis, il nous manque du plastique à mort, là. Bon, le bois, on est en train de le déglinguer pour l'instant. Il nous manque du plastique maintenant, c'est ça, ouais. Il nous manque du plastique à mort. Ok. Je pense qu'on va bouger, on va move. On va move pour essayer de trouver du plastique. Donc plutôt par là. Ah merde. Il y a du bois dur. Là-bas, il y a du plastique, il y a de l'eau. Ça peut être intéressant. Allons voir. C'est pas tip top là pour le coup, hein. Pas beaucoup de plastique, il y en a un peu. Ah si, il y en a un peu là. Ok, parfait. Là, on est tombé dans un bel endroit. Voilà, parfait. Allez. Les gars, récupérez-moi du plastique, on a grave besoin. Donc allez-y, faites-vous plaisir, vraiment. Récupérez-moi le maximum de plastique parce que là, on peut rien faire sans plastique. Donc allez-y. En attendant, ce que je voudrais faire, c'est un autre lit parce que là, on n'a que deux. Donc pour ça, me faire du plastique. Après, j'aimerais bien faire aussi la station de recherche. Donc allez-y, les gars. En attendant, toi, est-ce que tu peux nous refaire du plastique? Tu peux pas encore. Si, tu peux encore. Vas-y, fais-toi plaisir. Pendant que toi tu vas faire du plastique flottant, les autres vont aller récupérer du plastique classique. Et ça c'est pas con du tout parce qu'on va avoir besoin de tout, donc hop. Par contre un truc que je trouve un poil dommage, si je devais un peu critiquer le jeu de manière, bien sûr constructive, c'est que les mecs vont récupérer du plastique. Ils vont le mettre là-bas pour ensuite récupérer les ressources de là pour l'emmener là-bas. J'aurais préféré que les mecs récupèrent du plastique, courent et aillent directement là-bas. C'est plus logique finalement. Pourquoi faire deux allers-retours? Tu peux en faire qu'un seul. Là, c'est vraiment un gars qui a toujours la flemme de tout qui vous le dit en plus. Hein. Enfin, vous le dire. Ben voilà, c'est cool. C'est nice. Donc, lui, il va pouvoir récupérer le maximum de. Le bois, on n'a pas besoin d'en récupérer plus pour l'instant. Après, c'est déjà du bois sec à côté. On va y aller quand même. Du bois qui est déjà traité. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Mais là, on est en train de faire sécher du bois. Du bois mouillé pour en faire du bois dur et sec. Plus tard, on pourra également améliorer ces machins-là pour que ce soit 3 par 3 les séchoirs. Donc là, d'avoir 4 bâtiments pour en avoir que 2 et on produirait déjà 2 fois plus. Ça qui est fou. Bon, le bois dur, on va le récupérer. Toi, t'as level up.
Tu te bats en liquide. Regarde, donc là, il a moins 1 justement parce qu'il est crevé et qu'il dort mal. Donc, on va considérer que toi, tu vas être un peu focalisé en pêche. Parce que plus tard, il faudra également qu'on pêche un peu. Ah. De la recherche. On va mettre tout ce qui est... un peu de recherche ici, pourquoi pas. Et il faudrait également plein de bois, plein de débris plastiques. Écoute, vas-y, fais-moi des débris plastiques. Il nous en faudrait d'autres, du plastique, là. Ils ont tout récupéré, je crois, en des niveaux plastiques. Je peux pas encore pêcher le poisson, là. Il me faudrait une cabane de pêcheurs, mais je l'ai pas. Et là-bas, 8 de bois dur, c'est pas la peine. On va essayer de choper... Quoi qu'on va être à côté, là, puisque je vais essayer de choper du plastique. Bon, bah, à voir, mais... Ah, y a pas mal de plastique, là. À voir. Jamais, ce que je vais prioriser, c'est les plastiques à mort. Là, on a besoin de fou. La journée passe encore. Alors, toi, t'as level up. Tu vas être vraiment fixé sur la construction. Toi, pareil, on va pouvoir faire également un peu de recherche pour améliorer des bâtiments. On va commencer bientôt à manquer de flotte. Bon, la bouffe, ça va encore. D'ailleurs, au niveau de la recherche, ça donne quoi? Ah bah voilà. On va chercher un bâtiment qui nous permettra de faire de la corde, qui amélioreront nos séchoirs et qui nous permettront d'avoir un bâtiment pour créer de la corde aussi. Ce qui est pas mal du tout. Donc là, ils vont manger. Ils vont manger, ça veut dire qu'il nous reste de la bouffe pour une journée. Après celle-là. Donc, enfin, qu'on commence à se focaliser un peu sur la pêche, parce que sinon, ça va être compliqué. D'ailleurs, les bâtiments de pêche, je vais mettre genre là, probablement. Fais-nous du plastique, on a besoin de plastique pour tout, mec. Donc, fais-nous du plastique. Toi, pour faire sécher justement tes poissons. Voilà. Ok, donc lui fait de la recherche. Lui, il va construire pendant que l'autre continue à essayer de générer du débris de plastique. Ok. Et bah écoute, attends-nous dans ta recherche, donc t'es un tiers. Ok. Ça c'est bon. Et je voulais faire un... Je voulais des débris de plastique, pourquoi déjà? Bah de toute façon, pour la suite, on en aura besoin pour les autres. Donc continue à en faire, plein, si tu peux. Là, ils vont tous les deux construire à mort. Et là, on aura peut-être quelqu'un qui va pêcher pour essayer de nous faire un peu plus de bouffe, parce qu'on va commencer à en manquer. Ah bah oui, c'était pour l'eau, c'est vrai, c'était pour l'eau. Il faudrait plus de bois, plus de plastique. Ouais, bah là, on a besoin de plus de tout, en fait, hein. On a besoin de se prendre la tête, on a besoin de plus de tout. Lui, il sera bientôt libre. Quoi qu'au niveau de la recherche, je vais peut-être lancer sur d'autres recherches après. Hein. On va voir. Donc là, tu peux nous faire du bois. Alors, bateau de récupération, ouais, en priorité là-dessus. Priorité là-dessus. Je sais que ça va être dur, mais enchaîne. La recherche. Bateau de récupération est archi pratique. Toi, t'aimes bien pêcher, il me semble. Hein. Donc lui, il va nous pêcher des poissons qui auront une bouteille autour d'eux. Parce que bah, c'est la pollution, forcément. Les poissons se font attraper par les bouteilles, les détritus qu'on balance. Donc faudra, on va pouvoir les manger, mais malheureusement on va aussi bouffer du plastique et du coup à cause de ça on va finir par être malade. Mais bon, pour l'instant on n'a pas trop choix, alors bon, si tu peux essayer de gérer ça, ouais, ça serait parfait. Allez, récupère-moi du plastique encore, fais de ton mieux, récupère le maximum de plastoc. Là-bas on n'a pas besoin en soi. Ok, c'est nice. Toi, t'as level up, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le bois on a à gogo, il faudrait plus de plastique encore là. On fonce. La première fois de ma vie où je me dis waouh, trop bien, du plastique dans la mer. Le reste du temps, je suis pas aussi content. Ok, nice. Nice, nice, nice. Il y a plein de plastique à côté. On récupérait plein là. Tac, tac. Là aussi. Tac, tac aussi. Pas mal, on envoie tout le monde. Donc maintenant, on va avoir un nouveau bâtiment également. Pour faire des cordes, il faudrait plus de planches. Le problème, c'est que toi, bah fais-moi le maximum, et toi, pareil, le maximum aussi. Pour l'instant, on va bourriner comme ça, on n'a pas le choix. On a besoin de plus de tout, donc il faut bourriner, surtout qu'en plus, lui, va derrière, va nous faire un nouveau bâtiment pour les bateaux de recherche. Donc autant vous dire que ça va être... Regardez les animations. Comme s'il dessinait tout, je trouve ça vraiment cool. Les animations du jeu sont vraiment bien faites. Hein. Vraiment, c'est un coup de cœur là-dessus. Toi, tu fais que de pêcher depuis le début. Il fait que de pêcher. Le gars, il est assis toute la journée, il pêche. C'est son délire. Toute la journée, il pêche, le gars. Voilà. Tu récupères des ressources. Ouais. Niveau plastique, ça va être chaud. Niveau bois, c'est pareil. On va attendre que lui termine parce que bah lui, il a du boulot. Mais là, lui, tout seul, il galère. Il récupère le maximum, hein, c'est déjà ça. Il fait son taf. Lui, continue de pêcher en boucle. En vrai, on va avoir besoin de nourriture très vite, donc c'est pas con du tout. Hein. Là, vous voyez, ça va transformer des poissons avec des bouteilles par des poissons avec des bouteilles, mais c'est facile mangeable. Ah, donc là, t'as trop de choses. Ouais, t'as trop de choses, ok. Est-ce que ton pote va t'aider, non? Ah, lui a fini sa recherche, là, c'est grave cool. Et pour les bateaux, il nous faudrait
De la corde et tout, ouais, donc c'est mort. On va focaliser un peu sur la corde déjà en priorité. La recherche, on va peut-être éviter. De toute façon, j'ai plus de points de recherche, donc c'est bon. Voilà, fais de ton mieux. Essaye de construire le maximum, les gars. Continuez, hein, votre taf. Lui, continue à pêcher à mort. Alors, si je veux, je peux carrément désactiver un bâtiment pour lui dire d'arrêter de pêcher, par exemple. Je peux cliquer... alors, c'est où? Là, voilà, je peux cliquer là, par exemple. Hop, et il ne pourra plus pêcher. Mais je vais laisser faire quand même parce qu'on a besoin de bouffe. Donc, je vais laisser faire. En vrai, ce serait pas utile pour l'instant. Ah, t'es parti carrément rechercher, toi. Ah, t'as l'air énervé, toi. T'as l'air très, très énervé. Ils vont tous aller se coucher dans leur plumard bientôt dès que la nuit va tomber. Peut-être finir leur tâche avant, non? Ouais, voilà, ils vont tous aller se coucher. Hop, il va balancer ce qu'il a récupéré et au dodo. Donc, une nouvelle nuit qui est passée. Là, ça veut dire que demain, ils vont manger leurs 3 dernières rations. Ça veut dire que le frérot, il a intérêt à pêcher très très vite, sinon on va galérer. Pour l'eau, il nous faudrait surtout des planches. Toi, tu vas peut-être te calmer un peu sur les plastiques flottants, pour libérer un peu de manœuvre. Toi, par contre, sur le bois, t'intéresses, qu'on a besoin de tout, en fait. De l'eau, on va en avoir besoin, on va avoir besoin de planches pour ça aussi, ça va être fou, quoi. D'ailleurs, pour ça, il nous faut quoi? Encore une fois, des planches, ouais. Donc les planches, le mec va faire que ça. Il va faire que tirer à la corde toute la journée, il va faire que ça. On a clairement pas le choix. Même toi, par exemple, du coup, je vais essayer de te... Je pense que je vais essayer de te désactiver pendant une période pour essayer justement de focaliser sur le... Ah bah, il fait le bois en priorité, nickel, nice. Ça change rien, continue, le bois t'as besoin. Donc n'hésite pas. Il fait que d'y aller, lui. Il fait que d'y aller, le pauvre bonhomme. Est-ce que je pourrais pas essayer de t'aider un peu? Par exemple, en faisant un... Comme ça. Par exemple, et un truc comme ça, qui partirait de là. Attends, dans cette direction. Voilà, pour essayer de t'aider un peu. Par exemple, après on va se calmer sur les dépenses. Ah, parfois on a le bâtiment nécessaire. Boum, on va pas faire des cornes maintenant. Toi, tu t'arrêtes pas, frérot. Hein. Tu vas continuer encore et encore. Hein. C'est que le début, d'accord, d'accord. Hein. Du coup, la priorité va être de nous faire des cordes. Justement pour pouvoir, si possible, essayer d'améliorer nos séchoirs. Justement pour qu'on puisse vraiment essayer de... Ah, du bois mouillé, on a plein de bois mouillé. Tu pourrais y aller, là. D'abord, la focaliser à la construction. Lui, il fait que de pêcher, le pauvre bonhomme. Écoute, fais de ton mieux. Fais de ton mieux, on n'a pas le choix. Tu vas construire ça, tranquille. Tu vas construire l'autre. Il faudra des cordes le plus rapidement possible. Ah, mais t'es reparti carrément nous faire du plastique. Plastique flottant, on a besoin aussi, donc vas-y, fais de ton mieux. Par contre, on va commencer à manquer de bouffe. Est-ce qu'on changerait pas de zone, là? Est-ce qu'on changerait pas? Si, on va changer de zone, je pense. Et est-ce que là, il n'y aurait pas de la bouffe dans le coin, peut-être? On va changer de zone. Electric Shop. Ouais, je suis pas sûr que t'aies de la bouffe là-bas. Hein. On va essayer de voir, mais... Ah, si, il y a un peu de bouffe. Ok, bah, come on. Foncez là-bas, les gars, en priorité. Peut-être de la bouffe là-bas, donc allez-y. Le plastique, on va en avoir, mais un poil loin. Je vais mettre un gars dessus maximum. Et les autres, on level up. Ok. La pêche. Vraiment la pêche, on a besoin d'un pêcheur, on n'en a pas. Crafting, tu vas gérer. Ça me paraît pas mal. Ok, là ils vont tous partir là-bas. Ils ont récupéré de la batterie, donc je pense que c'est pratique. Mais la bouffe en priorité, s'il vous plaît. Lui fait que de pêcher, hein. Le pauvre gars, il enchaîne. Toute la journée avec sa canne à pêche, c'est vraiment notre pêcheur attitré. La corde, je vais en avoir besoin. Je vais en faire 3. On a besoin vraiment de corde rapidement. La corde se fait avec des espèces de lianes qu'on a trouvées. On n'a plus assez de bois. Ok. Tu peux nous faire ça pour l'eau. Je vais en avoir grave besoin de l'eau. Donc je vais en mettre là. Et ensuite, il nous faudrait du coup ça en priorité. Donc il faudrait au moins une planche. Et après, ça serait bon. Il faudrait 4 planches là pour être bien. Du coup, avec la corde, je vais peut-être l'upgrader. Toi, pareil, je t'upgrade aussi. Et là, ça devrait augmenter notre production de bois à mort. Par contre, il faudrait qu'on retrouve assez vite des... C'est pas des lianes, hein. J'ai dit que c'était des lianes, mais c'est pas des lianes, c'est vraiment du varech, des algues, en fait. Le pauvre, il pêche en boucle. Le pauvre, vraiment, il fait de la peine, il pêche en boucle. Le pauvre gars. Ok, toi, tu construis. Donc ça va être cool, ça va nous générer de l'eau. Par contre, il va en falloir plusieurs, parce qu'à la vitesse à laquelle ça va générer de l'eau, on est mort. On est clairement mort.
Le pont de pêcheur, tiens, le... Pas de pêcheur, mais de bateau. On va le mettre ici, probablement. Il nous faudrait maintenant une corde encore. J'ai plus assez de... J'en ai plus assez. Merde. C'est peut-être emballé là-dessus. On va annuler. Voilà, donc là, j'ai besoin d'une corde, je l'ai. Il me manque juste deux planches. Qui devrait, je pense, se faire assez vite. Vas-y, construis ça. La recherche, on n'est qu'à 2 points, donc on ne peut pas aller plus loin. Toi, tu continues de pêcher au maximum. J'apprécie vraiment le geste. Donc là, tu pourras nourrir tes potes bientôt. Ça, c'est cool. Ça va générer de l'eau doucement. Tout doucement, par contre. Il faudra qu'on trouve une autre source d'eau rapidement. Mais en attendant, ça va nous générer. Ça va nous aider vraiment au fur et à mesure. Surtout qu'il en faudra plusieurs, je pense. Là, ils vont boire et ils vont manger. Donc je pense que je suis bon pour une seule journée, c'est tout. Je pense que je suis bon pour une seule journée. D'ailleurs, pendant qu'ils dorment. Il y a encore la bouffe. Non, il y en a plein à cube. Ah, c'est bon. Non, vas-y, ça, j'annule. Ah, j'ai envie de le faire quand même pour encore une fois valider l'île. Donc vas-y. Je pense qu'on va faire une vidéo, ça fera une semaine. Donc là, on est déjà au 5e jour, c'est la dernière journée. Et comme ça me permettra d'avoir une idée du timing que je prends en vidéo pour pas que ce soit trop long. Parce que dans ce jeu-là, c'est tellement assez chronophage en fait. Du coup, on perd la notion du temps, on sait pas combien de temps a duré la vidéo, on se rend pas compte. Donc là, tu bois et tu bouffes. Ok, bah fais de ton mieux, mon pote. Là, ils vont tous boire, voilà. Et ils vont manger aussi. Bon, le bois, on a besoin, donc vas-y. Hein. Vraiment, priorité là-dessus à mort. Toi, tu vas nous finir cette île, et après on bouge. On change de zone. Dès que t'as fini, on change de zone. Le plastique, on en a plein. Du bois mouillé, on en a plein aussi. Donc, maintenant, il va falloir qu'on trouve des algues rapidement. Ça va être la priorité. Ça, je dégage. Je supprime le repère. Les algues, il y en a là. Parfait. On va essayer de contourner gentiment. Algues et plastique, on va prendre les deux, je pense. Mais d'abord, les algues en priorité. Voilà, parfait. Ça, c'est nice. Alors, algues, vous allez m'en prendre plein. Faites-vous plaisir, vraiment, les gars. Allez-y. Et le plastoc, derrière, on va enchaîner. Tac. Ok, ça, c'est nice. Toi, t'as level up. Tu vas essayer, voilà. Tu vas prendre du plaisir à récupérer des ressources. Et du coup, nous, on voit comme ça notre bateau du début à la fin. Pour du... Ah, oh, parfait, on a notre bateau. Ah, ça va être cool. Vraiment, ça va accélérer notre recherche. Ça va vraiment tout accélérer. Ça va faire du bien, donc faites ça en priorité, s'il vous plaît. On en a un qui recharge l'électricité, forcément. Lui, il est vraiment pris. Hein. Il va être pris quasiment toute la journée. Là, on l'a vidé cette île, je sais, je suis au courant. Et là, c'est pareil, c'est pas mal aussi. Ok. Bon, bah, toi, tu vas être vraiment pris toute la journée à faire ça. Ça m'embête un peu. La flotte, on va en manquer également. On va en manquer d'eau. On va manquer d'eau. Comment faire? Comment faire? Comment faire? Est-ce qu'ils vont commencer à se déshydrater, les types? Bon, la bouffe, on en a grâce aux pêcheurs. Lui est pris à mort avec l'électricité. La vache. Et toi, tu vas nous faire. Tu vas venir ici par bateau. Vous allez voir la vitesse. La différence va être flagrante, vous allez voir. Par contre, j'avais demandé d'en upgrader un là. Fais de ton mieux. Tac, tac. Donc, vous voyez la différence. Regardez à quelle vitesse il va déjà. Il récupère la masse de ressources beaucoup plus rapidement. Ça fait grave plaisir. Qu'est-ce que tu fais là, du coup? Il faudrait plus de cordes également. Voilà, plein de cordes, il va nous en falloir. Ok. Là, on va désactiver le bâtiment. Je veux pas que tu y ailles plus. Il faut libérer un peu de manœuvre. On a besoin de flotte en priorité. Donc, ouais, il y a trop de choses. Je sais qu'il y a trop de choses, mais là, on va essayer de libérer. Tiens, on va libérer un peu de place. Donc, lui va virer tous les plastiques et les foutre directement là-dedans. Là, on n'a plus assez de réserve. Peut-être que je vais refaire une d'ailleurs. On pourra. Voilà, tu blindes de plastique de l'autre côté. Alors, au niveau de la recherche, ça donne quoi? Tiens, on pourrait faire une nouvelle recherche. Transformer le bois. Ouais, non, c'est pas intéressant. Des maisons peut-être. Et des plus grosses réserves. C'est notre principal problème. Donc, comme on y va. Ok, ça c'est nice. Toi, t'as fait quoi? Toi, tu level up, ok. Le crafting, s'il te plaît. Voilà. Le plastique, tu vas nous en faire à mort. Donc ça, c'est cool. Mais après, on va se calmer. On va m'arrêter. Et là, je voudrais que tu trouves de l'eau rapidement. C'est ma grosse priorité. Tiens, là-bas, il y a quoi? C'est bon, on l'a déjà fait. On va foncer en espérant trouver de l'eau rapidement. Donc on y va. Là, c'est vraiment opération Colombo, opération dernière chance. Qu'est-ce qu'on a là? Secourir. Ah merde, on a un autre habitant. C'est pratique parce qu'on manque de main-d'œuvre, mais on n'a pas de flotte. Je vais l'embaucher quand même, mais après on va vite se dépêcher.
Donc allez secourir par bateau. Et ça aussi par bateau. Vous y allez et vous foncez. Command, les gars, je compte sur vous. En train de recharger à mort le bateau. L'autre en train de bosser à mort sur le plastique. Et l'autre en train de faire des cordes. Ouais, d'accord. Ils sont tous partis pour bosser là. Le mec, les gars, le mec vous attend quand même, hein. Faudrait que quelqu'un le dise, hein. Le gars vous attend un peu, non? Écoute, électricité, tu rechargeras plus tard. Recharge plus tard, pour l'instant, tu t'en vas. Tu veux pas aider ton pote? Ah, t'es reparti faire du bois, toi. Non, mais les gars, vous êtes gentils, mais... Vous êtes grave gentils, c'est pas le problème, mais y a un gars qui vous attend, là. Y a clairement un gars qui vous attend. Ah, il nous faut plus de manœuvres, on a tellement de choses à faire que même eux, ils sont perdus. Voilà, parfait, va le secourir. Plus de manœuvres. Parfait. On a un quatrième gars. C'est pas mal. Le seul bémol, c'est que lui déjà n'a pas de lit. Ça va être une priorité. On ferait plus de bois. Et puis surtout, déjà, il n'a pas de lit. Et puis à côté de ça, ah, il va l'améliorer, je crois. Il va enfin l'améliorer, peut-être. Voilà, il l'améliore. Parfait. Ça allait beaucoup plus en production de bois ce que l'on galère. Ils n'ont pas pu tout boire. C'est pas grave. Ils vont boire. Hein. Ils vont boire au fur et à mesure quand ils pourront. Attends, on va te démonter déjà. Récupère un peu de ressources. Toi, une fois que tu auras fait tes cordes, tu seras tranquille. Il faudrait plus d'eau. L'eau, c'est la grosse priorité. Bon, la bouffe, on en a encore et encore. Ouais. Bah. Écoute, la pêche va reprendre, je crois. Hein. La pêche va reprendre. On a besoin de plus de bouffe. C'est vrai, j'ai lancé de la recherche aussi. J'avais oublié que j'avais lancé de la recherche. Ouais, bah il y a un gars qui est occupé à faire de la recherche. Est-ce que c'est vraiment utile pour la recherche pour l'instant? Je pense que je vais mettre en stand-by la recherche. On a besoin, donc hop, stand-by pour toi. Bah me dis pas que t'as rien à faire, frérot. T'as forcément des trucs à faire, non? Ça c'est fait, bah récupère un peu plastique. Ouais, fais-moi d'autres bâtiments, par exemple le séchoir là, est-ce que tu peux l'améliorer? Améliore le séchoir. Et ensuite, tu vas nous faire des planches à mort. Déjà quelqu'un qui en fait des planches. Ok. Là, je me dis que maintenant qu'on a des gros séchoirs, c'est peut-être pas mal déjà de faire d'autres réserves également. Cette réserve ici. Et l'eau, ça donne qu'on a un de flotte grâce à notre bâtiment qu'on produit un petit peu. Ah bah, déjà, je vais nous faire un autre lit. Et après, on va se calmer un peu. Faut que je trouve de l'eau du coup. C'est bien beau le plastique et tout, c'est cool, on en a plein même, mais le problème c'est qu'en plus on a presque trop du plastique. Donc on peut se calmer sur le plastique. Stop, arrête-toi. Supprime le repère. On a plein du plastique, hein, peut-être même trop du coup, c'est ce que je me dis. Le bois par contre on en rasera total. Ouais, ok, bon, on va essayer de gérer. Faut qu'on trouve de l'eau. L'eau rapidement. On y va. Les algues, c'est cool. Le plastique, c'est bien, mais j'en ai plein maintenant. C'est pas la peine. Là, ça me ferait qu'on trouve de l'eau. On va regarder, on va s'arrêter quand même, hein, mais j'ai pas l'impression qu'on trouve de... Putain, on a vraiment pas de bol. C'est une map qui est générée procéduralement. Non, on n'a rien. Oh, ça, par contre, un générateur, c'est pratique. J'ai envie de récupérer ça parce que je pense que c'est bien, mais j'envoie du monde dessus, mais je sais pas du tout à quoi ça sert encore pour l'instant. On prend la recherche. Il faudrait plus d'eau. Faudrait plus de planches. Tu vas finir avec ça. Comme ça, on arrête le plastique après. C'est le bois là qui sèche 3 par 3. C'est quand même cool. Faudrait peut-être un autre séchoir du coup. Et encore, le bois, on va l'épuiser vite à cette vitesse là, non? J'en mets un autre séchoir quand même, histoire de. On améliorera également. On a des cordes maintenant, donc autant en profiter. Tu fais de ton mieux, toi. Un truc à récupérer. Écoute, récupère, fais de ton mieux. Et faudra de l'eau rapidement. Le problème, c'est que l'eau, là, je vois pas trop comment je peux gérer ça. Liquide, ouais. Non, la pêche. Moi, j'ai déjà un pêcheur, donc c'est bon, en vrai. Ok, stop. Tu peux te calmer sur la pêche. On a de la bouffe pour tout le monde. Il nous faut de l'eau en priorité, donc... Allez, s'il te plaît. Fais-moi une planche. Voilà, il nous faut plus de planches. On galère vraiment de fou.
Nous faudrait... Ouais, encore deux planches de plus après celle-ci. Ok. Je pense que le viaduc, je vais trier un peu. Donc ça, on va peut-être éviter de prendre. Voilà, récupère-moi générateur. Un peu de batterie si tu veux. Je pense que les batteries vont être utiles plus tard et un peu plus rares à trouver. Récupère-moi ça. Générateur sera, je pense, pratique. Je sais pas à quoi il sert, par contre. Ah, mais attends, générateur, je peux pas le connecter à mon truc, là, pour recharger? Ce serait peut-être bien, là, non? Je peux pas connecter à ça pour recharger, peut-être? Non, ils vont l'entreposer, donc je peux pas. Donc toi, t'es déjà reparti rechercher du matos. On va bouger. On va bouger. Tant pis pour ça. Tant pis pour lui, on n'a pas choix. On revient et on repart. Une fois de la flotte en priorité, sinon on va jamais tenir, les gars. Donc on pousse nos recherches au maximum. On pousse nos recherches au maximum. Putain, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. On risque de se retrouver à court d'électricité aussi assez rapidement si on trouve pas une solution vite. C'est quoi ça? Electric shop, putain, mais. Ça m'arrange pas, du bois, ça ne m'arrange pas non plus. Oh, du bois, je vais commencer à en manquer. Vas-y, mais c'est compliqué là. Hein. J'envoie mon bateau. J'envoie aussi un bateau récupérer du bois là. À gogo. Et je pense qu'en vrai, ça va être pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on va passer à là pour cette vidéo. On n'a toujours pas résolu notre problème d'eau. Même si je pense que je vais essayer de faire des bâtiments au fur et à mesure pour devenir vraiment autonome. Mais là, j'ai un peu peur que les gens ils fassent la gueule. Genre, lui n'a pas pu boire par exemple et il est pas bien. Et pas bien du tout. Lui, ça a l'air d'encore... Ouais, enfin, c'est chaud, là. Un de flotte pour 4, ça va être compliqué. Heureusement, si je vais faire d'autres bâtiments pour en générer. Bah, tout le monde n'a pas pu boire aujourd'hui. Tu m'étonnes. Écoutez, je pense qu'on va pas s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode. Vraiment, j'attends vos retours pour voir si je continue ou pas avec vous. Mais le jeu, pour moi, mérite vraiment le coup d'œil et je pense qu'il faudrait vraiment le continuer. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.